Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astro de février. J'espère que votre année a bien commencé. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux. Comme d'habitude, je vous mets également les noms des jeux que j'utilise en bas d'informations et je rappelle que je ne fais pas de guidance privée. Par contre, je peux vous conseiller une personne sérieuse. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de février. Nous allons faire le tirage ensemble. Je vais prendre le tarot. Je compléterai avec des oracles au fur et à mesure pour avoir des messages complémentaire on va commencer déjà par s'intéresser au dos du, du tarot pour voir les premiers indices sur votre mois de février alors premier indice sur les énergies de février vous avez un œuf de pentacle qui vous parle de stabilité d'indépendance d'autonomie de D'abondance, tout simplement, de profiter. On voit que vous avez bien travaillé, vous allez un petit peu pouvoir vous, vous reposer sur vos lauriers et apprécier tout ce que vous avez pu récolter. Donc c'est un temps où on apprécie ce qu'on a, on est dans l'autosuffisance, on, on se sent bien, même si, euh, même si on passe du temps ici, et là je, je vais m'adresser aux célibataires, même si on est seul, on est bien. On mmh. est bien dans cette autonomie, dans cette indépendance, euh, on est euh, aussi satisfait de ce que l'on possède. Donc il y a une forme ici d'aisance, d'abondance tout simplement. Alors on va voir comment ça va résonner, carte de l'énergie principale. Là on est dans une énergie complètement opposée puisqu'on est sur du 5 de Pentacle où on sent que y a pu on a pu en passer par cette énergie de la galère, le manque, la frustration, ce sens cette sensation de vide, d'être seul, de ne pas être écouté, de ne pas être aimé, euh, de, de vraiment d'être dans une notion où euh, ça a pu être difficile parce qu'on euh, a manqué de ressources, on a manqué de quelque chose, ou quelqu'un vous manque, quelque chose. Ici, vous manque, alors qu'avec le 9 de Pentacle, on est au contraire dans cette satisfaction. Donc, à mon avis, votre mois de février, il va vous amener ça. Il va vous amener cette sortie du désert ici. Bon, ce n'est pas vraiment le désert sur la carte, puisqu'on est sur un paysage enneigé, mais voyez l'image. Hein. C'est l'idée qu'on traverse quand même une période un peu, à, un peu difficile et qu'on a cette sensation de manquer de tout, hein. que ce soit matériel, ou que ce soit émotionnel, on se sent un peu seul au monde. Alors, on va voir, on va prendre une carte oracle pour peaufiner un petit peu tout ça. Et vous avez la confiance, ouais, ayez confiance. Alors, c'est peut-être un petit passage à vide, là, mais on sent que ça va, vous allez vite en sortir. Donc, en tout cas, je vous le souhaite. Donc, soit vous êtes sur, vous avez passé finalement la fin d'année et peut-être janvier dans cette énergie-là, ou alors vous y serez encore un petit peu sur février. Et là, on vous dit que voilà, confiance, courage. Les choses sont en train de s'éclaircir, clairement. On va voir un petit peu dans les domaines précis. Dans le domaine pardon financier, professionnel, vous avez un 6 de Pentacles. C'est bon. On voit bien que là, vous allez vers une réussite, une reconnaissance. C'est une notion aussi de générosité. Donc de la générosité qu'on fait preuve à votre égard. Donc vous recevez quelque chose, de l'argent, une proposition, des compliments. Une promotion, ça peut être ça. Ça me parle d'équilibre, ça me parle de se faire plaisir, de recevoir aussi des cadeaux. Donc là, il y a une notion de générosité, un petit peu comme et d'abondance pardon, un petit peu comme ce neuf de pentacle. Donc vous voyez comment ça va résonner, mais là on voit que tout est juste, hein, qu'il y a, y a du, quelque chose qui vous revient. Vous partagez, vous recevez, vous vous investissez dans quelque chose aussi. On partage peut-être des compétences, des, des projets, ça peut être des collaborations, mais il y a une forme de, de reconnaissance aussi. Hein. On reconnaît votre valeur, votre présence, vos qualités, tout ça, c'est mis en valeur. Donc on sort vraiment de cette énergie qu'on avait précédemment. D'ailleurs, on progresse ici au niveau des cartes. Alors, on va mettre d'autres cartes par-dessus. Alors, on voit qu'on a pu effectivement passer par des blocages, d'où ce 5 de Pentacle qui nous parlait quand même de difficultés qui ont pu vous faire perdre confiance finalement. Oui, ça a été très très difficile. On voit qu'il y a les larmes, donc là on voit que vous avez pu rester focalisé sur euh, des pertes, sur euh, des blocages que vous avez rencontrés, peut-être des retards, des contrariétés. Ah, il y a aussi l'idée peut-être que c'est lié à des relations. Il y a quelqu'un ici qui euh, peut-être a mis des bâtons dans les roues. Ça peut être ça. Alors on retrouve l'étoile ici qui vous parle de faire des vœux, d'espoir, de chance, hein, de tenir bon finalement. Parce que certaines personnes hein, qui portent des masses, ici, ici, des jaloux, des, des personnes qui sont euh, qui aiment bien tout simplement, finalement, euh, dire des médisances et puis... Euh, des personnes sur lesquelles peut-être à qui vous avez fait confiance et vous êtes trompé, hein, qui ont abusé un petit peu de, de, de vous, qui peut-être qu'on vous a promis quelque chose qu'on ne vous a pas donné hein, financièrement, au travail, etc. Et là, il y a comme un juste retour des choses, un juste retour de bâton. J'ai l'impression que vous avez une victoire sur comme des ennemis entre guillemets ou des gens qui vous ont trompé, trahi. Euh, peut-être aussi que ça nous dit ici clairement que même si, euh, même si vous rencontrez des difficultés financières et matérielles professionnelles, vous gardez le cap. Hein. On, on sent que euh, vous faites comme si tout allait bien. Hein. Vous, vous êtes quelqu'un ici qui avait euh, du mal à peut-être à parler de vos problèmes, à demander de l'aide. Vous faites semblant que tout va bien pour certains et, et vous pleurez, vous pleurez lorsque vous êtes seul. Et là, c'est peut-être aussi une invitation justement à demander de l'aide hein, pour trouver des solutions parce que c'est le cas. Si vous demandez, vous trouverez du soutien, vous trouverez de l'aide, hein, qu'elle soit financière, des conseils, etc. Donc euh, à lire de manière, euh, voilà. on peut le lire dans ce sens-là aussi, hein, comme des personnes ici qui, qui cachent leurs difficultés et c'est une invitation à en parler avec discrétion à des personnes de confiance parce que euh, si vous faites semblant que tout va bien, on ne peut pas le deviner, on ne peut pas euh, vous donner de l'aide hein, si, si vous ne demandez pas. Donc ça peut être ça aussi. C'est l'idée peut-être aussi de prendre conscience hein, que dans une situation, ça ne va pas, il faut agir, il faut décider, il ne faut pas rester dans cette énergie-là mais je pense aussi que voilà, vous avez pu être déçu de quelque chose et que là il y a comme un juste retour au niveau perso, au niveau perso on a la force, donc là il y a l'idée peut-être de je dirais pas de, de, de conflit mais il y a l'idée quand même d'affronter certaines situations hein, de peut-être devoir se faire entendre mais ce que je ressens ici avec la force c'est la confiance c'est le courage, c'est que vous pouvez compter sur quelqu'un et quelqu'un aussi peut compter sur vous. Il y a comme l'idée d'un soutien mutuel avec une personne. Donc ça peut être un ami, ça peut être dans le couple. Et l'idée aussi d'affronter les situations. Donc même si euh, vous rencontrez des difficultés euh, personnelles, on sent que vous avez les ressources. Vous allez gérer en fait hein, votre émotionnel et votre façon de communiquer, votre façon de régler les problèmes avec les autres. Alors on va voir, on va remettre des cartes par-dessus. On a le couple, les anneaux, l'engagement officialisé, la naissance, l'arrivée d'un enfant, d'un projet et le déménagement. Bon, ben c'est chouette. On voit que vous êtes en train de mettre votre énergie ici pour construire quelque chose, pour construire un nouveau projet, un nouveau départ, que ce soit seul ou avec quelqu'un. Donc, on déménage, euh, on agrandit la famille, on fait des projets ensemble, on est dans un, dans un grand changement. Donc là, peut-être que des bébés vont être annoncés. Peut-être que c'est l'idée de se marier, de s'investir ensemble dans une relation, l'idée d'une rencontre choc aussi, parce que le déménagement, c'est une carte qui parle vraiment de transition importante, de bouleversement. Et là, on est sur un nouveau projet, sur un nouveau départ. Donc, quelque chose de nouveau, en tout cas, de très porteur, de, de fort. Hein. C'est vraiment quelque chose de fort. Ça vous tient à cœur. Et on voit que vous allez vraiment, euh, eh bien, euh Faire avoir les capacités et faire tout ce qu'il est en votre possibilité ici pour construire quelque chose qui, qui vous est cher. Donc vous allez investir votre énergie pour vraiment cette construction là. Alors au niveau du conseil, c'est le 3 de coupe. Célébrez la vie, entourez-vous de vos proches, de vos amis, soyez heureux. Euh, chercher du soutien, cherchez à, à être avec les autres, ne vous isolez pas. Je sens qu'il faut vraiment aller vers les autres. Il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a de l'amour pour vous. Donc, même si vous ressentez, vous vous sentez seul au monde ici, c'est ce que je vous disais, je, je sens que c'est juste une sensation parce qu'en réalité vous n'êtes pas seul. Et là, ça me parle vraiment d'amitié, d'amour, de construction. Donc, ça va être vraiment euh, le message c'est d'aller vers les autres, de vous ouvrir, de demander de l'aide, hein, de vous associer d'utiliser vos liens, vos relations aussi pour progresser. Je mets des priorités et je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Donc là, il y a peut-être une invitation à, à ne pas se disperser, à vraiment établir un plan, une organisation, à noter les choses, à faire les choses en règle, bien comme il faut, euh, en conformité avec euh, la législation, etc. Vous voyez ce que je veux dire À noter, vraiment à reprendre un nouveau cadre, une nouvelle routine, une nouvelle organisation, peut-être, à faire les choses bien. Voilà. À vous donner aussi un peut-être un meilleur sens des priorités, privilégier ce qui est important vraiment et laisser euh, les choses pour plus tard, etc. Alors la finalité du mois, on est sur un set de coupe. Le 7 de coupe, il vous invite euh, à choisir hein, encore une fois à ne pas vous disperser à vous donner une direction donc c'est exactement ça. ça ça nous dit vraiment que vous aurez de multiples choix la vie vous propose plusieurs options à vous de peser le pour et le contre et de voir laquelle est la plus réalisable la plus réaliste celle qui vous convient aussi le mieux hein. donc là s'il y a plusieurs options il faut vraiment prendre celle qui vous convient davantage donc c'est un mois vraiment pour analyser pour juger, pour revenir aussi à quelque chose de très terre à terre, parce que le set de coupe parfois c'est aussi l'idée de l'illusion, hein, de se faire des films, de quelque chose comme ça. Donc on arrête de euh, penser la vie, de trop être aussi dans la tête et dans l'imagination, et on revient à quelque chose de très terre à terre. Hein. On revient ici à l'idée de d'ancrer les choses, de les faire. On arrête de les dire, de les penser, on les crée. Il y a aussi cette idée là. Donc, c'est quelque chose qui vous invite quand même ce mois-ci à être bien ancré, hein, bien réaliste aussi dans vos projets. Alors, un petit conseil de fin pour vous j'ai besoin de reconnaître mes talents. Quelle force vit en moi Là, on voit que euh, vous avez besoin de reprendre confiance en vous on a quand même deux cartes qui nous parlent de confiance. Et il faut reconnaître vos talents. Peut-être faire un petit bilan de compétences. Peut-être euh, que vous devez vraiment euh, retrouver cette confiance en vous que vous avez perdu et regarder la situation autrement. Hein. C'est vraiment vous vous êtes dévalorisé ou peut-être que des personnes ont cherché à le faire et ça vous a déstabilisé. Mais je pense que là, vous devez vraiment faire du tri aussi entre ce que vous pouvez utilisez-vous vos compétences et comment vous pouvez les mettre au service des autres, de la vie de manière générale et de vous-même avant tout. Hein. C'est vraiment ça. On a tous un talent, on a tous quelque chose à exploiter. Je pense que vous l'avez perdu de vue aussi. Donc vous devez, vous devez peut-être vous recentrer sur ça, sur ce que vous pouvez euh, faire de votre talent, entre guillemets, de, de vos dons, de vos compétences. Pour avancer, c'est aussi aller chercher les ressources en soi. C'est ne pas oublier qui vous êtes. On voit que vous avez l'intelligence, euh, la capacité à rebondir et à agir dans la situation qui vous préoccupe. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.